regardant la page. Qui sont les personnages représentés sur les photos? Les personnages représentés sur les photos sont deux enfants. Très bien, Ahmed. Ima. Les personnages représentés sur les photos sont deux enfants. Est-ce qu'ils vivent une vie normale? Non, maîtresse, ils ne vivent pas une vie normale. Ils sont au travail, pas une vie normale. Ils ne sont pas à l'école. De quoi ont-ils besoin alors? Quitter le travail et aller à l'école. Vivre une vie normale comme tous les enfants du monde. Regardons ce reportage sur les droits de l'enfant. Les élèves de l'école expriment leurs avis sur les droits de l'enfant. Aujourd'hui, j'ai appris que les enfants, ils ont des droits. On a le droit de manger, on a le droit de dormir, on a le droit de parler avec des mots. Pas juste avec des gestes méchants. Les enfants, ce sont tous des enfants, donc ils ont les mêmes droits. Tous les enfants auraient le droit d'aller à l'école. J'ai appris que les enfants avaient beaucoup de droits, plus que je pensais. Puis j'ai appris aussi que jouer, c'est unique pour les enfants, c'est fait pour les enfants. Et même si des fois les gens sont tannants, là je comprends qu'on peut leur enlever le droit de jouer pendant la récréer, mais pas pendant toute sa vie. Tout le monde a le droit d'avoir des droits. Faut-il reconnaître les droits de l'enfant? Oui, c'est vrai. Tout enfant doit reconnaître les droits de l'enfant. Très bien, Ahmed. Ima. Les droits de l'enfant concernent tous les enfants et à tout âge. D'après les deux photos, les ont des droits qui ne sont pas applicables partout. Le respect des droits de l'enfant nécessaire. Connaître et reconnaître les droits permet de mieux comprendre et de pouvoir intervenir si besoin. Moi, j'ai le droit de jouer. Habituellement, j'ai le droit de jouer quand je veux. Parce qu'il y a des enfants que leurs parents sont plus sévères. Il y a des enfants que leurs parents sont défavorisés. Alors, ils ne peuvent pas jouer parce qu'ils n'ont pas de jouets. Je m'appelle Aurélie et j'ai 7 ans et c'est bientôt ma fête de 8 ans. J'ai le droit de manger. J'aime beaucoup manger, c'est vraiment bon. Et ma responsabilité, c'est de laver la table. Je m'appelle Camille et j'ai 6 ans. J'ai le droit de dormir et je suis responsable de faire mon lit. Je m'appelle Alice et j'ai 8 ans. Si je n'aurais pas de droit, je ne pourrais pas dormir, je ne pourrais pas voir, je ne pourrais pas entendre, je ne pourrais pas être en santé. J'aurais des parents qui me laisseraient tout le temps regarder la télé et avoir être malade. Ils ne m'emmèneraient pas à l'école. C'est pas des droits. Je suis vraiment contente de pouvoir avoir des droits, sinon, genre, on pourrait rien faire. Puis, c'est pas le fun, rien faire. Le respect des droits de l'enfant nécessaire de chacun d'entre nous. Connaître et reconnaître les droits permet de mieux comprendre et de pouvoir intervenir si besoin. Citez alors ces droits selon leurs apparitions dans reportage. Les enfants ont le droit de manger, ont le droit de dormir, ont le droit de parler. Tous les enfants ont le droit d'aller à l'école, ont le droit de jouer, droit à la santé. Très bien, les enfants. Citons alors d'autres droits de l'enfant. Le droit d'être protégé contre la discrimination. Le droit de donner son avis et d'être entendu sur les sujets qui le concernent. Les filles ont le droit d'aller à l'école, les parents sévères les empêchent. Ils n'ont pas le droit de les interdire, puisqu'elles seraient les citoyens de demain. Droit à manger, dormir. C'est bon pour la santé. J'ai le droit d'aller à l'école, mais je suis responsable de faire mes exercices, réviser mes cours et écrire mes rapports. «
Bon travail, les élèves. La prochaine séance en production écrite, nous rédigeons des paragraphes sur les droits de l'enfant. La bonne rédaction sera portée à la revue murale.